Bonjour et bienvenue sur Tata Paul TV. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon poisson braisé. Donc, voilà, pour cette recette, vous aurez besoin de deux gros maquereaux, des condiments verts et des épices. Donc, voilà mes deux gros maquereaux. Vous aurez besoin d'huile et c'est accompagné de plantes à frais. Pour les condiments verts dont vous aurez besoin, c'est très simple. Vous allez écraser du poivron vert, un oignon, un demi-poireau et une tête d'ail. Une tête d'ail est composée de plusieurs gousses d'ail. Et voilà le résultat. Pour les épices, j'utilise du poivre blanc. Marinade pour poisson que vous allez trouver sur le site tatapol.com. Du sel épicé, quatre côtés, rondelles et du piment en poudre. Donc vous allez mélanger tout ça au condiment vert pour obtenir votre marinade. Vous mettez de l'huile et vous mettez les épices de votre choix pour constituer votre marinade de poisson. Sans oublier le sel, bien sûr. Si vous voulez, vous mettez du cube. Mais là, je n'en ai pas mis. Avec tous les épices, plus besoin. Vous allez en tailler, vous allez taillader votre poisson. Vous faites plein de petites entailles, pas trop profondes non plus. Et ensuite, vous allez mettre votre marinade sur le poisson. Moi, je mets souvent comme ça et après, je laisse un peu mariner quelques temps avant de commencer la cuisson. Donc vous mettez bien les condiments ainsi que les épices partout, partout, partout sur le poisson. Et vous laissez reposer. Là, je disais l'astuce pour le gris. C'est deux. Frottez une pomme de terre coupée en deux sur le grill. Et surtout, très important, il faut préchauffer le grill. Il ne faut pas mettre le poisson à froid sur le grill. Il faut que le grill soit déjà sur le grillage, quoi. Donc, vous frottez une pomme de terre coupée en deux avant de déposer le poisson. Et vous voyez que ça ne colle pas. Vous voyez? Donc vous mettez, vous disposez votre poisson et vous mettez les condiments aussi, vous rajoutez les condiments pendant la cuisson aussi, c'est très important de rajouter votre marinade de poisson pendant la cuisson du poisson. Moi, je recouvre le papier aluminium pour que ça cuit un peu plus uniformément. Le reste de condiments, vous faites cuire pour accompagner le poisson comme sauce. Et voilà le résultat, très simple. Vous avez vu, présenter le poisson, c'est un jeu d'enfant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube Tata Paul TV ou bien ma page Facebook Tata Paul TV. Et faites un tour sur ma boutique en ligne tatapol.com pour l'achat des épices. Et aussi sur le site internet tatapol.com, vous trouverez plein de recettes. Donc, à bientôt. Des recettes version écrite, s'il vous plaît. À bientôt sur Tata Paul TV.